Les joueurs arrivent au compte-gouttes pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce lundi, c'est au tour des Lions de la Teranga. A noter cependant l'absence de la star de l'équipe Sadio Mané. Malgré sa blessure, il figure sur la liste des 26 joueurs retenus vendredi par le sélectionneur Aliou Cissé pour ce mondial. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 33 buts en 92 matchs, Sadio Mané, 30 ans, dispose toutefois de quelques jours de repos puisque le Sénégal entre en lice le 21 novembre contre les Pays-Bas et affrontera ensuite le Qatar le 25 et l'Équateur le 29. Les camps de base des 32 pays qui participeront au mondial et leurs terrains d'entraînement pendant le tournoi ont déjà été choisis. Pour le Sénégal, ce sera le quartier de Douaïl, situé à 17 km à l'ouest du centre-ville. C'est ce dimanche 20 novembre que débute cette première Coupe du monde de football dans le monde arabe. La première aussi a suscité autant de critiques sur l'environnement ou les droits humains. Organisée à l'automne, une autre première, pour éviter les chaleurs insupportables de cette région désertique, la compétition s'ouvrira par le match Qatar-Équateur.